C'est secrétaire général de l'association médecin haïtien Andouin Esther Luchol avec lui nous pral parler de remonter phénomène kidnapping dans le pays et qui particulièrement touché médecin au dernier temps ça a gagné deux médecins eh bien qui en fait kidnapper ont enlevé c'est Alain Pierre et puis nous gagne tout avant lui c'était docteur Eli Nicolas eh bien secrétaire général AMH lancé en relamoué pour dénoncer situation ça et puis lui questionner présence autorité dans l'état. Bonjour docteur Luchon. Ben non note qui a circulé sous réseau yo, ou même ou écrit ou dénoncer situation ça quand on dit médecin yo yon l'autre fois encore yon a visier kidnapper yo. Oui, en effet, nous dit ça vrai, nous constater ça tout. Nous constater ça malgré nous gagnons 9 présidents, nous gagnons une primature et avec un bon pouvoir en place, bon qui pourquoi qu'apprend qui pourquoi qu'apprend place vraiment dans la société là hein? Parce que c'est nous constater que et remonter kidnapping là. Ils font remonter sur, comme on dit, sur des chapeaux de roue, remonter de façon spectaculaire. Deux médecins rapidement, ils prennent, et c'est docteur Eli Nicolas qui est kidnappé, séquestré, puis libéré, et docteur Alain Pierre qui connaît jusqu'à présent, c'est le dernier nouvellement gagné, qui est encore kidnappé, séquestré, et ils veulent pour libérer le contre rançon. Mais ils m'ont donné un rançon énorme, côté parents, parce que en général, médecin, c'est côté parents, aux réfugiés, pour moi, dont ils aident, j'avais pensé médecin pas gain comme consacré, donc, pour l'État libéré. Mais ça fait une association médicale, nous protestons énergiquement, et nous-mêmes en colère, pour nous dire que, pour kidnapping est reprise de plus belle, et reprise de plus belle, et l'État, et comme si l'État n'a pas de réponse. Parce que l'État a été insécurité en réponse conséquente. Nous pas d'accounia pour y apprendre médecin toute la sainte journée. Y apprendre tout l'autre monde toute la sainte journée. Et mon ap mouri. Là, toute la sainte journée, tout. Bon, y a un monde qui, bon, je nous fais perdre au médecin, mais ça, c'est un accident. Mais si t'es un pays organisé, t'es capable de mourir. Ça, comme tout présenter condoléances à un médecin, et qui fait, apparent médecin qui fait mourir. Donc, bah, ça, nous pas qu'à, supporter lui. Donc, parce que médecin est à courir à l'étranger. Ou bien, mon yo, c'est que c'était tout la caillou. Donc, on n'a pas qu'à supporter ça, ça fait nous demander autorité en place, pour prendre des dispositions, et des dispositions qui, à la hauteur de cette insécurité qui remonte. Mm-hmm. Et pour nous, pour médecins, pour faire lucidité, pour faire prévention de la maladie et traitement de la maladie. Oui, avant nous aller plus bon côté, demande avec autorité, ou t'es parlé, en fait, est-ce que vous pouvez reprendre pour nous, bien, vous pouvez retracer pour nous, circonstances, côté que, bien, docteur ça, qui c'est Alain Pierre, qui lui-même, Sibi, za kidnapping, noté samedi 6 juillet 2024, dans le niveau plein du cul de sac. Oui, c'est Lison, pour le voir qui est occupationné. Donc, pour l'aventure, et l'idée de yo, d'après information que nous avons gagné, yo prenez depuis samedi à Lison, et là pour les cliniques là et tout. Et puis, yo prenez jusqu'à présent, et yo a été entré en contact avec parents yo. Donc, jusqu'à présent, lui-même, les noms mais toujours parce que c'est une force là donc c'est même c'est pas une légitimité mais c'est force et force des autres là c'est lui qui vraiment gagne force pour le prendre monde et Kimbola qu'elle met en prison après ça pour le demander comme mais et parce que et nous avons l'État qui a forme donc jusqu'à présent ça a beaucoup fait c'est une situation ça a pris parce que il t'a vaqué à occupation et ça que nous-mêmes nous pas connaissons pas qu'à vaquer à occupation nous encore. Et médecin de bravo, son septuagénaire. Et qu'on est là, son jeune médecin, puis on prend, puis pour séquestrer. Donc ça, c'est, nous sommes aux abois. Oui, nous comprenons ça. Docteur Eli Nicolas, vous êtes informé nous, les joints de libération, les mêmes qui d'un PEOT enlevé, le niveau d'Elma 19. Est-ce qu'on a tourné sous circonstances et puis dis-nous depuis qu'il est kidnappé, qu'il est le joint de libération, et aussi est-ce que c'est contre la rançon, libéré? Donc, c'est, éventuellement, c'est contre rançon. Parce que l'homme, on a fait libérer au Parlement de l'ombre détail, ou quitter, lui reposer surtout psychologiquement et physiquement tout. Et moi, il faut me dire ça, dans la zone d'Elma 19, là, et son zone vraiment qui,
sont une zone vraiment qui a plus de kidnapping là-dedans. Parce que sur 7 personnes qui étaient comptées, 4 personnes, c'est Nadelma 19 qui étaient prêts. Donc, c'est une zone vraiment qui, et pour la police, t'a fait, t'a, et force de l'audio, et t'a fait travailler là-dedans. Donc, le docteur Nicolas l'a libéré, l'a proposé. On a écrit, il répond non. Donc, il dit grâce à Dieu, il sortit dans la force du lion. Et par la suite de constat ça, avec remontée des cas de kidnapping dans le pays, ou questionner l'utilité neuf présidents ou bien monde qui dans conseil présidentiel transition, moi dit qui utilité au doc, n'est ce ça qui c'est vrai que association ou même ou là dedans toujours dénoncer cas kidnapping, nous toujours mandé l'état agir et m'ta prendre mando là qui attend tout de monde qui dans CPT ensemble avec chef gouvernement coudien par rapport avec insécurité qui passe se prendre grimper. Oui, c'est ça que nous même nous dit, c'est comme si comme si neuf présidents yo inutile et comme si primature yo inutile parce que si yo même bagarre la cap fait toujours et yo te dit yo même il va changer ça. Et yo, nous va constater aucun changement qui fait vrai, aucun de ces changements fait ces changements dans le sens négatif. Et dans le sens négatif. Donc nous jusqu'à présent malgré tout, c'est eux nous gagnent, nous même ne pas demander pour démissionner, mais c'est pour faire travail. C'est pour faire adopter d'autres stratégies pour faire travail. Surtout, et bon habitude, c'est aller au attaquer le dernier maillon chaîne. Donc, il faut commencer le premier maillon chaîne. Il dit, si on peut tirer de l'eau sale en bas, ou pas nettoyer sous ça, toujours gagner de l'eau sale. C'est pour les responsables, les autorités responsables, le pouvoir, c'est pour aller aux sources de l'insécurité. Après tout, faut contrôler l'État tout, pour l'État pendant complicité avec monde qui est dans l'insécurité. Bah, dit tout l'État, mais gagnons frange dans l'État, il a toujours dit qu'il a complicité avec monde qui a été insécurité dans le pays. Il a même dit insécurité parfois, il est téléguidé. Donc, son bande rumeur est obligé à faire rumeur parce que l'eau est ou pas qu'à vaquer à occupation, obligé de gomban, obligé à faire des conjectures. Mais conjectures sont obligées de mettre autorité en question. Donc, on dit autorité, son médecin encore qui voit là, qui est dans la tête primature. Donc, c'est pour le connaître. Et bien, nous, côté médecin santé publique là, est-ce qu'elle est inutile tout? Parce que les populations qui ont dit ça, même répéter sa population, dit, est-ce qu'elle est inutile? Pour appeler pour un médecin comme ça, ben, pas attendre de le dire rien. Il va même relayer l'association médicale pour lui dire comment ça y est. Donc, pour le médecin, dans la relation médicale, pour demander comment ça y est, qui est à nous, convoquez-nous, ou bien invitez-nous, ou bien primatif, pour invitez-nous, pour venir parler, pour nous dire, mais qui j'ai, nous t'ayez, bon, même si vous dites qu'on invite nous déjà, mais on est obligé de faire sans cesse pour nous connaître qui ça pour nous faire, pour que dans l'amélioration, mais invitez-nous à aller aux sources de l'insécurité, pour nous, au moins, baisser l'insécurité. Nous, les étrangers qui viennent, ça que nous-mêmes nous dit tout. Les blancs débarquent, et qu'on y a, nous, les noirs débarquent. Nous pas attendre pour les jeunes venir débarquer tout pour ce pays à rentrer dans la sécurité. Non, nous disons ça, c'est assez. Pour nous-mêmes haïtiens, pour nous organiser l'État, pour nous pas besoin tout le temps, c'est les blancs du banc, les noirs du banc, puis pour les jeunes du banc, pour nous aider à aider pays pour l'entrée dans la sécurité. Et tout à l'heure, tu as effleuré question, moi, occasion pour moi, pour me retourner. Sous lui, où tu as parlé d'un pile médecin qui quitte le pays, notamment à cause de l'insécurité, ou bien médecin qui joue une autre opportunité qui allait dans un pays étranger. Est-ce que vous avez une idée de quantité, et tout, est-ce que vous avez parlé, nous, de spécialités qui rare en Haïti, comment les affecter par, en fait, migration et médecins haïtiens vers des pays étrangers? Bon, nous sommes pays et PMA, et un pays moins avancé, c'est le pays moins avancé en Amérique, environ 37 pays. Nous sommes le pays le moins avancé, malgré nous faire la plus grosse révolution gagnée. Mais les médecins continuent à partir. Nous pas gagné nombre, mais les spécialités, par exemple, neurologie, neurochirurgie. Donc, à cause politique, on perd la dedans. La psychiatrie, nous on a perdu médecin. Dans tout le domaine, mais ça perd spécialité, à côté, nous pas gagné en pile. Surtout à cause d'un pays qui pas offrir un pile aux possibilités. Offrir un peu d'opportunités. Donc, médecins continuer à partir. Non, et démographie médicale, nous gagnons, surtout démographie pour spécialité, nous n'avons pas gagné de nombre exact. Mais nous sommes en train de travailler et dans ce sens-là, pour nous gagner le nombre de médecins qui partent, le nombre de médecins qui mourent, tout dans le bagage, ça,
et nombre de médecins qui retient la caille tout parce que nous avons mené enquête pour bien parce que les médecins pas en voulait sortir la caille sortir c'est pour la petite maquette il court rentrer donc nous n'a fait n'a dégagé un bout de travail ça et pour une cabale population mais qui n'a qui état médecin voyez donc ça fait pour les médecins dans situation ça espérance de vie haïtien a diminué tout parce que pour monde médical là pour espérance de vie augmenter bon il y a l'autre condition tout mais c'est un facteur. Et l'hiver, si ou pas gagné, ou pas ajouté, n'a pas mis bout dans l'entrevue hein, pour aujourd'hui à hein, M. Luchon. Eh bien, bon, merci Magique pour l'opportunité de nous parler au nom du monde médical et au nom de la société en général. Mais ça, notamment, c'est encore une fois, je m'adresse à la primature, son médecin, je m'adresse au médecin de la santé publique et aux 9 présidents que nous avons. Nous sommes le seul pays au monde qui gagne 9 présidents. 9 présidents, ça, il faut montrer l'utilité. Merci beaucoup. Docteur Louchol, allez, me songer à me t'a parlé ensemble avec l'ancienne directrice de l'hôpital général là, dans le moment je crois en 2022 côté que noté remarqué que médecin était dans le du cyclone, il était rapidement mentionné conséquences en dirap ça sous personnel médical yo c'est à peut-être retourner sur ça ensemble avec vous et ouais et à long terme qui conséquences ça gagner sur système sanitaire là le médecin yo même yo particulièrement visé dans vague augmentation et kidnapping là monsieur bon. Richard. Oui nous médecins sont privilégiés et des kidnappeurs, bon, en passant, il faut me dire, pas que le médecin n'a pas pile comme les gens pensaient. Hein? Même moi, pour vivre là-bas, il va même suffisant, vraiment. Bon, mais conséquence qu'il y a, c'est inévitable, c'est encore une fois, il va augmenter le nombre de médecins qui sont obligés de quitter le pays. Hein? Parce que quand il y a des gens qui te font tirer les IT, il y a des gens qui même voulu rentrer. Mais qu'on a, on ne va pas rentrer du tout. Au contraire, c'est le nombre de médecins par l'augmenter charge de médecins qui pâtit déjà. Le conséquence, ça, c'est non seulement la préparation médecin, les conséquences, mais l'exercice de la profession médicale, les conséquences. Faculté de médecine, l'État a fermé, et l'autre côté, tu as formé médecin encore. Mais tu as fait une discussion pour les résidents, pour les résidents. Résidents, c'est mon cas fait spécialité. Année, ça ne passe pas une résidence du tout. Donc, même dans la formation, pour résident, pour que spécialité nous fait en Haïti, pas gagné. Nous gagnons, nous sautons. Donc, avec dit, c'est un rare résident qui a formé Kounia. Et qui est un nouveau résident qui a formé Kounia. Donc, vous voyez, la conséquence sera énorme sur la pratique, sur la profession médicale en général. Et parfois, sur le médecin, c'est pour infirmer tout l'autre qui est annexe à la profession médicale. Et même le monde qui travaille dans l'hôpital. Donc, ce bagage qui est énorme pour nous, c'est une conséquence qui est désastreuse pour la profession médicale en Haïti. Et il était souligné également un point qui était assez pertinent et important, c'est santé mentale médecin, surtout dans l'époque ça, il est capable de demander où est-ce que dans l'association, nous constatons ça, de médecins qui toujours gagnent de séquelles, qui ça gagne de graves conséquences sur eux, de médecins qui étaient séquestrés parce qu'il était surtout mentionné à l'ancienne directrice. Peut-être qu'il doit chercher nos liens après parce qu'il échappait moins. Il était dit nous que, on dit, à long terme, ça a gagné de grandes conséquences psychologiques sur les médecins. Yo, qui après le gain de conséquences au travail que a fait est-ce que nous constater conséquences ça yo qui j'en sais monsieur Louchard. Bon et il m'a dit nous connaissons ça parce que nous gain groupe de médecins surtout psychologues et psychiatres qui toujours a fait des conférences et même météo disponible aux médecins kidnappés déjà et médecins même qui pourquoi kidnapper, qui pourquoi kidnapper, mais qui vivent dans la peur, de l'angoisse, de l'anxiété à cause de cette situation. Nous avons des conséquences, même si nous n'avons pas dénombré quantité de médecins qui concernent, mais des conséquences inévitablement, parce que nous-mêmes médecins, nous connaissons tout. Parce que l'air ou pas en paix, surtout avec esprit ou. Ou pas en paix avec esprit ou. Donc, il faut toujours penser est-ce que le pape kidnappe dans la clinique ou encore? Est-ce que l'opéralé pape kidnappe ou? Donc, il y a des gens qui ont constaté cliniquement qui la parole a tremblé.
Donc, avait dit, il m'a besoin de mon sap qu'on a pour faire un diagnostic. Parce que les diagnostics avaient une problématique. On fait diagnostic pour qu'on quitte ça, mon enfant, soit privé. Donc, c'est bon bagage qui pitié. Donc, il y a un impact sur l'exercice de la médecine et surtout sur la qualité de l'exercice de la médecine. Donc, qualité pour le diminuer tout. Parce qu'on va moins se faire. Et bon diagnostic que auparavant, même si les médecins nous-mêmes nous connaissons et nous font augmenter la résilience, notre capacité de s'adapter à la nouvelle situation, mais malgré tout, nous sommes des hommes et des femmes. Donc, nous pouvons être influencés aussi par la situation générale, par l'ambiance générale qui passe dans le pays. Et nous connaissons une ambiance qui est très délétère et pour physique. Et pour le mental des médecins. Il y a des gens qui rappellent que dans la première vague, dans l'année qui coulait, nous avons entrepris des initiatives et peut-être même, je crois, nous avons suspendu pendant un certain temps l'activité dans l'hôpital. Maintenant, ils disent, avec nouvelle structure, ça, est-ce que nous visons entreprendre des initiatives pour peut-être attirer attention sur ça, parce que voilà, c'est des monde qui sont dans plusieurs familles politiques qui dit que sont prêts pour attendre, qui voulaient voyer de l'autre signaux de nouvelles dynamiques dans ce qui pourrait avec façon approche y a gouverné. Est-ce que nous-mêmes nous au sein de l'association nous viser entreprendre des initiatives et recommander qu'à bouger les lignes? Oui, nous connaissons toute la dynamique et nous avons évolué toujours dans le sens négatif. Donc nous beaucoup et nous connaissons notre tête nous essayer ouais qu'ils viennent nous adapter nous qu'ils l'autre approche nous qu'a gagné qu'ils l'autre approche nous qu'a gagné pour nous qu'a agir sur ça qu'a fait là mais nous pouvons gagner nous pouvons vraiment prendre décision et pour nous faire ça avec une brève réunion nous faire réunion mais qu'on est obligé de retourner dans la réunion en ligne encore pour nous qu'a connaître qui nouvelle réponse pour nous bail à reprise et de l'insécurité surtout concernant les médecins qui sont privilégiés. Non, bagaille kidnapping ça. Donc, nous avons préparé nous dans ce sens. Merci un peu, Louis, docteur Duchel. Courage et courage avec tout l'autre médecin qui est touché particulièrement par Rapsayo. Et ben, bon, nous seulement qu'à espérer que la situation n'y a pas amélioré. Oui, nous l'espérons aussi. Merci beaucoup, Magique. Voilà, on a parlé avec le docteur Jean-Adouin Luchol, qui est secrétaire qui à EMA, je crois, c'est l'association des médecins, l'association médicale haïtienne. Et nous dit, docteur Luchol, merci pour cette intervention. Ça, nous on a rappelé qu'il y a un docteur Eli Nicolas qui était enlevé, séquestré, mais qui est actuellement libéré. Il y a actuellement docteur Alain Pierre qui est enlevé. Et séquestré, selon Dr. Jean-Louis Luchol, il a demandé gros l'argent.